parce que ça tourne. Voilà, je refais des essais avec ma 8 éléments. Voilà, j'ai monté un tout petit peu plus haut. On va faire des essais avec Régis, là, à une quarantaine de kilomètres. Voilà, ça y est, c'est bon là. Normalement, ça devrait fonctionner. Les essais devraient être concluants. Là, je te retourne le micro. Ah ouais, ça, c'est vraiment très concluant. T'as toutes les lettres qui s'ouvrent, qui se mettent. Hein, je sais pas de ton côté. Moi, je pense que toi, c'est pareil. Hein, toutes les lettres les cinq lettres doivent allumer, là, toi, Jean-Claude. Ah oui, là ça s'allume, hein. Ça s'allume tout, là, le bar graph, c'est à fond. Là, c'est le nouveau Baofeng, le UV5RTP, là, en train de refaire des essais, là. Avec Régis, à une quarantaine de kilomètres, là. Ça passe bien, là. Voilà, retour à toi. Ok, merci, hein, du retour, Jean-Claude, là. Ouais, il y a un peu plus de 40, là, maintenant, ouais, quand, 10-12 kilomètres là après. Ça doit nous faire une cinquantaine de kilomètres quand même. Ok. Et puis donc là j'ai. Donc ben là je suis avec les 8 watts. Les 8 watts et puis donc la plus grosse batterie. 2 minutes, je vais changer, je vais mettre 5 watts, tu me diras ce que tu en penses. 2 minutes. Ok. Alors, menu. Tout. Donc on va passer l'intermédiaire, mid. Power. Voilà. Confirm. Voilà, donc je suis à 5 watts là. Tu me diras ce que si c'est plus fort ou moins fort. À toi. Bah, écoute, c'est idem, hein, c'est pareil, hein, t'allumes tout, y a toutes les LED, hein, y a pas de problème, toujours, toujours clair et net, impeccable, hein, c'est clair, c'est net, c'est puissant, ça passe. Bon, 2 minutes là, je vais passer en 1 watt. Ok, vas-y. Voilà, là je suis avec les 1 watt. Hein. Voilà, tu me diras ce que tu en penses. Moi, j'ai toujours une très bonne réception de toi. Alors. Allez, à toi. Hey, merci, de retour Jean-Claude. Hein. Oui, ben, très bonne réception avec 1 watt. Hein. Ok, bon, bah, tu vois, même avec 1 watt, là, les 5, on va dire, ouais, je ne sais plus exactement. Allez, 45, 5, ah oui, t'es plus loin que l'autre fois, donc voilà, t'en as peut-être pas loin des 50, là, vu, comme je connais la région, alors donc je sais où que c'est, là. Ben, ça passe bien, là, voilà, retour à toi. Ouais, ouais, c'est toujours la même force de radio, hein, radio 5, hein, que tu passes en 1 watt, 5 watts, et ou 8 watts, hein, c'est clair, c'est net, c'est vraiment très 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 bonne modulation, hein, toi Jean-Claude. Ok, ben essaye avec la petite antenne, et puis ben, tu me dis avec quelle antenne que tu es là, retour. Ah ben là je suis avec la grande antenne, hein, je suis avec la grande antenne là. Ok, ben passe sur la petite pour voir. Ok, c'est parti pour moi. Bon, on va attendre. Il va changer la petite antenne. On va refaire des essais avec pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est le Baofeng 8 watts celui-là. Donc c'est exactement voilà, comme. Voilà, Jean-Claude, je suis sur la petite antenne. Alors,
Ah oui, très très bien. Bon, il y a moins de force. Donc le bar graphe ne s'allume pas tout à fait, mais bon, j'en ai 5. Mais très bonne radio là de mon côté. À mon avis, aujourd'hui, la propague pour le PMR, ça a l'air de fonctionner. Là, retour à toi. J'écoute pareil. Hein. Je pense que tu t'es remis toujours en 1 watt. Oui, j'ai pas changé. Hein. Je suis resté avec les 1 watt. Hein. Et puis, bon, j'ai la grande batterie là de. C'est 2800 milliampères, donc comme ça il y a plus d'autonomie. Ça me permettra de, quand je serai donc en exploration là, donc j'aurai plus d'autonomie là. Retour à toi. Ok, merci du retour. Ouais, ben c'est impeccable, hein, mon vieux. Il n'y a rien à dire. Hein. Petite ou grande antenne, ça passe nettement. Ça passe très bien, hein, très bon. C'est clair que la modulation est très claire, c'est vraiment impeccable. Voilà, hein, c'est. Il y a un peu de vent là, il y a un peu de vent qui est pas chaud. Mais bon, voilà, hein, bah, écoute, bah, je vais remettre quand même la grande là. Ok, mais la grande, moi je vais remettre le. Je vais mettre par contre le. L'antenne du Baofen. Le temps que tu changes, moi je change. Avec la grande antenne, hein. Voilà, là je suis avec la toute petite antenne, je ne sais pas si ça passe. Retour. Radio compréhensible à toi, Jean-Claude. Ok, bah tu vois, je suis avec les 1 watt hein, du poste du petit Baofen. Hein, donc bah toi, les 1 watt, hein, ça fonctionne. Je vais essayer, je vais passer 5 watts. Tu me diras ce que ça donne plus ou moins. Ouais, bien, ok, bah, ça devrait être comme tout à l'heure. Hein. Ça devrait être idem. Hein. Ça passe quand même, donc tu vois, même avec celle-là, donc on va dire les 50 km, donc tu vois, ça passe, malgré que j'ai la butte de mon côté, là, qui est quand même face à toi. Bon, tu connais le QTH aussi, donc les arbres, ça passe. Bon, bah, c'est quand même concluant, mais bon, toi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un tout petit peu plus de propag en PMR, parce que l'autre fois qu'on avait fait les essais, rappelle-toi que ça faisait des coupures. Hein. Voilà, mais par contre, t'es un peu plus haut, mieux dégagé. Voilà, retour. Ah ben oui, hein, ouais, je sais pas, c'est peut-être que... c'est peut-être le dégagement qui faisait que... et puis que j'étais pas... comment... que j'étais pas tout à fait en face. Là, j'ai retiré sur ma droite d'un mètre, là. Voilà, hein, bah écoute, hein, ça passe malgré, hein. Attends, je refais encore un mètre. Voilà. Bah je te retourne le micro, là, pour le... voir si tu... Ouais, je pense que tu m'entends encore. À toi, Jean-Claude. Ah oui, bah ça n'a pas bougé, hein. C'est nickel, hein. Y a pas de problème, hein, ça passe... Ça passe bien, donc toi, même avec la directive. Bon, la directive, peut-être, oui, voire avec Yves.
Yves et puis peut-être des fois Michel. Michel, là, quand il sera opérationnel, là, je ne sais pas s'il a pu le programmer. Yves, ben, je ne sais pas non plus s'il a pu le programmer. Ma foi, on attendra le retour. Oui, ben ouais, hein, je vais essayer de lancer un appel là, mais je ne sais pas s'il est chez lui ou s'il est sur le Mont Saint-Vincent aujourd'hui, hein, à toi, Jean-Claude. Ah, j'ai entendu personne. Hein. J'ai entendu personne là aujourd'hui, alors donc je ne sais pas. Puis bon, ben Michel m'a pas donné réponse. Donc ma foi, on verra bien si éventuellement on écoute Yves là ce soir. Là. Donc il faudra qu'on voie là si c'est opérationnel de son côté. Là. Donc voilà, on sera un petit peu plus sur la région et puis les alentours, là, retour. Ouais, bah oui. Moi, tout en modulant, je me déplace. Hein, je pense qu'il n'y a pas. Que ça fait pas de coupure, toi, Jean-Claude. Non, pas de coupure, rien. C'est net, c'est clair, c'est net, comme on dit, hein, comme une clarinette. Je rigole. Non, il y a un petit peu de vent. Dans la vidéo, il y a un petit peu de vent. J'ai senti quelques gouttes de pluie. Voilà, le temps il est couvert. Tout à l'heure, il y avait du soleil, mais là, il n'y a plus rien. Non, c'est toujours, hein, ça n'a pas bougé de mon côté. Voilà, retour. Ok, bah écoute, de mon côté non plus, hein, toujours la même réception. Ça fonctionne. Nickel, sans coupure, c'est vraiment clair et net à toi. Bah, et puis en plus bon, la batterie elle est quand même assez, celle-là elle est assez puissante, donc ça fait puis là, les 5 watts, donc tu vois, même avec 1 watt ça passe, hein. Ça fonctionne très bien, voilà, bah, c'est concluant. Moi bon, je vais pas remettre sur la directive, donc on verra ça plus tard avec les autres opérateurs si on les a là, si des fois toi tu l'as ou tu en y parles, et puis bah, faut, on verra par la suite là, avec QSL. Ouais, 100% QSL. Hein. Bah là, c'est couvert, j'ai pas senti coup de flotte, hein, j'ai la casquette sur la tête, mais par contre, il y a du vent, hein, et puis il n'est pas chaud en ce moment. Ok, ouais. Bah écoute, quand j'aurai le périple là, je dirai, bah écoute, c'est concluant, hein, je fais avec l'ami Jean-Claude à une cinquantaine de kilomètres, il y a 10 kilomètres de plus, hein, je suis à hauteur, je crois que Patrice, il avait regardé 400, là on est à 400, je ne sais plus combien, là, 465 mètres, je crois. Ah oui, puis moi je suis à 250 mètres là. 250 mètres, alors donc oui, tu as quand même une portée plus importante que moi. Hein. Voilà, retour. Ben oui, mais ça se sent pas, hein. Ça se sent pas, hein. Même que tu sois plus grand, hein, ben écoute. Ça se ressent pas du tout, hein, sur la modulation. Hein. Ouais, bah, moi non plus. Voilà, donc bah, ça fonctionne. Bon, bah, je vais arrêter la vidéo. Et puis, bah, enfin, on va essayer de voir là, notre côté. Là. Voilà, donc QSO avec Régis. Et puis, donc moi-même. Voilà, 73. Et puis, on verra ça plus tard. Allez, à plus, bye bye.